Bonjour toutes et à tous, ici Light Moderne. Mercredi dernier, on a eu un globalement très chouette Nintendo Direct. Plus de nouvelles sur Kirby, c'est cool. Le retour de Mario Strikers, c'est cool. 48 circuits pour 25€ sur Mario Kart 8, bonne offre. Le retour de Wii Sports, amusante surprise. Xenoblade 3, bonne nouvelle pour la franchise. Klonoa en HD, bah fantastique, c'est bien de maintenir la mémoire de Klonoa. Je suis même étonné en fait que Bandai Namco se souvienne de l'existence de Klonoa en fait. Mais niveau éditeur qui a surpris tout le monde avec des jeux qu'on pensait oubliés dans les limbe du temps, on pourrait pas faire mieux dans ce Nintendo Direct que Square Enix, qui a décidé de totalement péter les plombs et de ressusciter des trucs qu'on a cru morts pour toujours. Alors oui, certains d'entre vous ne sont pas des otaku face terminal, fans de jeux en import japonais, ni des boomers fascinés par le rétro gaming et le RPG old school. Mais pas de chance, bah moi je suis les deux en même temps, donc j'ai décidé de vous partager ma joie communicative avec vous tous. Non, non, attendez. Est-ce que c'est live? Legend is alive, live! Mais qu'est-ce qui se passe? Très, très communicative, ma joie, hein. Donc, je vais vous expliquer très, très rapido pourquoi ces annonces de vieux importent beaucoup pour moi et pourquoi ça mérite le coup de vous y intéresser aussi après le jingle. Bonjour toutes et à tous, ici Light Moderne et on va parler de Tōgen Anki, la légende du sang maudit, chez Kana. Connaissez-vous la légende de Momotaro? C'est l'histoire d'un enfant né d'une pêche qui devient un valeureux guerrier se battant contre des Oni, de terribles démons japonais proches des ogres de chez nous. Et bien là, on retourne l'histoire sur sa tête et on y rajoute une bonne grosse dose d'hémoglobine. Attention, ça tâche. Shiki Ichinose est un gentil jeune homme, assez nerveux, pas très malin et fan d'armes à feu. Ah, c'est pas une combinaison rassurante ça. Mais un jour, il est pourchassé par un puissant individu voulant sa mort. C'est parce que dans ses veines coule le sang des Oni, faisant de lui la cible du clan des descendants de Momotaro. Oui, Momotaro a vraiment existé, il a vraiment chassé des Oni, et sa mif tient à maintenir la tradition. Heureusement, Shiki arrive à réveiller ses pouvoirs, lui permettant de manipuler son sang de Oni. Malheureusement, son père est mort durant la bataille. Shiki doit maintenant rejoindre une école d'Oni composée d'élèves talentueux afin de maîtriser ses pouvoirs et venger son paternel. Neketsu est un mot qui désigne les codes narratifs de beaucoup de mangas shonen de baston. Mais c'est un mot aussi qui veut dire littéralement « sang bouillonnant » ou « sang chaud ». Dans les deux cas, ça correspond parfaitement à ce que le manga cherche à faire. Un héros chaud bouillant ? Check. Des rivaux tapent à l'œil ? Check. Du drame et de l'humour bien dosé ? Check. De la baston détonnante avec des pouvoirs personnalisés ? Check. Réveillez l'ogre avide de shonen en vous en lisant Tōgen Anki. Lien pour acheter ce manga sur le site de la FNAC dans la description. Déjà, Front Mission, une des franchises les plus oubliées mais pourtant parmi les plus prestigieuses du genre tactical RPG. On pense souvent à Final Fantasy Tactics, à Fire Emblem, à Disgaea, mais Front Mission se distingue déjà du reste par son univers et son esthétique. On a vraiment des histoires très denses parlant de conflits entre d'énormes blocs de superpuissance, comme dans le premier jeu où l'Alliance Océanique, composée de l'Australie et des pays des îles du Sud et Sud-Est, se bat contre l'union de la totalité du continent américain Nord et Sud pour la possession d'une île dans le Pacifique créée par une activité volcanique. Une histoire complexe appuyée par des personnages tourmentés au portrait dessiné par Yoshitaka Amano, l'artiste derrière les épisodes classiques de Final Fantasy. Au niveau gameplay, c'est bien technique aussi, parce que non seulement il y a des déplacements case par case, mais en plus d'affronter des tanks et des hélicos, vous vous battez à coups de Wanzers, des robots au look réaliste plus proches des Metal Gear que des Gundam, qui sont composés de 4 segments, jambes, tête, bras gauche et bras droit, qui ont leur propre barre de vie et que vous pouvez cibler individuellement pour limiter les actions de vos adversaires. Et ça veut dire aussi que vos Wanzers sont customisables à souhait. Ces jeux datent de la Super Nintendo, mais en Europe, fallait attendre jusqu'au 3 en 2000 sur PlayStation 1 pour tester. Et après ça, bah pas grand chose, hein, sauf si vous voulez vraiment compter le spin-off d'action, mais assez médiocre, hein, Front Mission Evolved, ou l'épouvantable clone de Metal Gear qui est Left Alive. Ouf.
Du coup, c'est bien que ces jeux ont une nouvelle chance chez nous. Hein. Ensuite, on a Chrono Cross. Excellente nouvelle, ça, Chrono Cross. Vous êtes peut-être plus nombreux à connaître Chrono Trigger, le RPG culte de la Super Nintendo mélangeant fantasy et voyage dans le temps, avec des personnages attachants dessinés par le mangaka Akira Toriyama. Mais moins de personnes connaissent Chrono Cross, une sorte de suite sur PlayStation 1. Pas une suite directe de Chrono Trigger, mais une histoire se passant dans le même univers où l'enjeu des voyages temporels est remplacé par ceux des mondes parallèles. Clairement, si vous essayez ce jeu en pensant que ça va être un Chrono Trigger 2, bah vous allez vous faire chier, hein, il faut le dire. Mais Chrono Cross est un RPG vraiment unique en son genre. Sa direction artistique singulière, ses magnifiques décors de dépeints à la main, son univers à la fois tropical et onirique, son casting énorme de 45 personnages jouables, son héros en pleine crise d'identité, transporté dans un monde parallèle où il est mort enfant et revenant dans le sien dans le corps de son pire ennemi. Et surtout, son système de combat assez inédit, où tous vos sortilèges sont des objets équipables, consommables et customisables à souhait. C'est un peu comme le système de jonction de Final Fantasy VIII, sauf que ça donne moins envie de mourir. Et rien qu'à voir un titre culte de la PS1 disponible sur une console moderne, c'est déjà cool. Mais le move le plus impressionnant, ça reste Radical Dreamers. Radical Dreamers, sinon je peux le prononcer normalement, mais... C'est un genre de prototype slash préquel à Chrono Cross sous forme d'un jeu d'aventure textuelle un peu proche du visual novel. Une histoire sombre et fascinante sur trois bandits qui essayent d'obtenir la Frozen Flame, un artefact issu de Lavos, l'être maléfique à abattre dans Chrono Trigger. Une écriture impeccable soutenue par des musiques ensorcelantes créant une ambiance folle. Et ça me rend fou que ce jeu textuel est disponible comme ça easy chez nous maintenant, parce que non seulement à la base ce jeu est obscur, non seulement il est jamais ressorti depuis 1996, non seulement il a jamais dépassé le Japon, mais en fait on pouvait juste pas l'obtenir physiquement du tout parce que c'est une exclusivité de la Satellaview. Tu sais pas ce que c'est ? C'est normal. C'est un service exclusif à la Super Nintendo japonaise qui te permettait de jouer à des jeux et les télécharger par diffusion satellite. Pas par Wi-Fi, ni ADSL, ni même un modem 56K, mais un putain de satellite de l'espace qui t'envoie une transmission à une heure précise de la journée comme une émission télé. À la base, chez Square, ils voulaient inclure Radical Dreamers dans le disque de Chrono Cross, mais ça s'est pas fait pour des raisons techniques. Du coup, avoir enfin ces deux titres ensemble au même endroit, c'est un peu une victoire sur la vie. Mais la news qui m'a vraiment achevé après tout ça, c'est le retour de Live Alive, un RPG culte de 1994 sur Super Nintendo, jamais traduit officiellement, jamais sorti du Japon, et qui n'a eu aucun remake, remaster ou ressorti, à part sur Virtual Console japonaise pour la Wii U en 2015, ce qui est virtuellement pareil en fait que de ne pas exister. Soyons honnêtes. Mais là, non seulement il ressort enfin, non seulement il est officiellement traduit à l'international après 28 ans, mais en plus, il a le traitement HD 2D magnifique de Octopath Traveler et Triangle Strategy. Et c'est excellent ça! Ils vont faire pareil graphiquement avec le très estimé Dragon Quest 3, et ça donne envie d'imaginer d'autres remakes de RPG cultes dans ce style. Imaginez juste Chrono Trigger en HD 2D, ou des titres même moins connus comme l'intrigant action RPG Terranigma, ou le déjà magnifique tactical RPG Bahamut Lagoon. En plus, c'est vraiment un RPG très insolite au niveau du style, de la narration et du gameplay, surtout pour 94. Live Alive, c'est en gros une anthologie de 7 petites histoires différentes, avec donc 7 héros situés dans 7 époques, de la préhistoire jusqu'au futur lointain. Et chaque histoire se distingue de diverses façons. Dans la préhistoire, tout est raconté sans dialogue, juste avec des expressions corporelles et des emojis. Dans le présent, l'histoire est structurée comme un tournoi d'arts martiaux en 1 contre 1 façon Street Fighter. Dans l'époque de la Chine impériale, tu es un maître d'arts martiaux qui doit entraîner ses élèves. Dans le Japon de l'ère d'Edo, le gameplay est plus orienté infiltration, comme un vieux Metal Gear mais avec des Ninja. Et le futur proche, Sakira. En fait, voilà, il y a des pouvoirs psychiques, il y a des motos, c'est carrément Kira. Et à la fin, quand les 7 histoires se recoupent pour un chapitre final, mais là, ça devient fou! Je vais pas spoiler, mais vous comprendrez vite que les 7 boss de fin de chapitre que vous affrontez sont liés par le même nom, Odio, le méchant le plus sous-coté des RPG japonais. En plus, c'est un jeu dirigé par Takeshi Tokita, qui a bossé sur Final Fantasy IV et Chrono Trigger, la musique est par Yoko Shimomura, qui a composé sur Street Fighter 2, Super Mario RPG, Kingdom Hearts, la saga Mario & Luigi, c'est aussi un jeu qui a inspiré Toby Fox sur Undertale, aussi tu peux combattre dans ce jeu Hulk Hogan, j'ai 40 000 raisons, comme ça, sous la main, pour vous dire à quel point ce jeu est cool et mérite d'être découvert sur Switch à sa sortie, et c'est pour ça que je suis aussi enthousiaste. Et je vous invite vraiment à ne pas louper ce remake sur Switch, une belle découverte vous attend. En conclusion, Square Enix,
continue sur cette lancée. Non mais vraiment, continue d'entretenir ton patrimoine et d'honorer tes plus vieux titres. Collection of Mana est la sortie de Seiken Densetsu 3 en Occident sous le nom de Trials of Mana, ça m'a fait du bien dans le kokoro. Ressortir Legend of Mana, c'était une bonne initiative. Rendre disponible un maximum de titres de la franchise Saga, comme Saga Frontier, Romancing Saga 2 et 3, Red Scarlet ou Collection of Saga, vraiment bravo. Bon, beaucoup moins bravo pour le travail de salle là, accompli sur Final Fantasy Crystal Chronicle, et je suis pas très fan non plus de ce que t'as fait pour Act Treasure Renaissance, mais je kiffe déjà mieux la gueule de Dragon Quest 3 en HD 2D. Aussi, merci, vraiment, hein, de t'être souvenu de The World Ends With You et d'avoir fait une suite en 2021. Voilà, Square Enix, entretiens ton héritage. C'est ça, apporter du bienfait dans le monde du JV. Exactement l'inverse de ton envie de te lancer dans le métavers sous les NFT, comme l'a annoncé ton PDG. Parce que, ok, on est reconnaissant de recevoir des bons jeux, mais on n'oublie quand même pas que... Les grosses compagnies veulent juste ton fric, c'est pas tes amis. Voilà, jouez à Love Live, merci beaucoup. Vous l'avez vu, je suis de retour sur Twitch et je compte y être plus régulièrement avec des réactions, du gameplay, Pokémon et bien d'autres choses. Venez donc en masse sur twitch.tv/r8moderne. Encore bravo GPM pour son travail sur cette vidéo, notamment en cadrage et montage. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Encore une fois, je vous invite à venir en masse sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/r8moderne. Maintenant que j'ai un nouveau PC qui fonctionne bien et que j'ai la fibre, on va pouvoir faire des belles choses en live ensemble. A très bientôt pour de nouvelles chroniques.